Bonjour les gens. Oh, j'ai encore la barbe dans. Je vais la couper, je crois, parce que dès que c'est long, c'est pénible. Bon, hop, petit live. Le son est bon, la musique est bon. Quand la musique est bon, bon. Peut-être la mettre un petit chouï plus fort. Ouais, je les normalise. Salut Goldarius, salut Atajarive, salut Edgy. Tu dois partir, allez mettre tes pneus neige. N'oublie pas les pneus neige. Salut J1. T'auras quand même droit au. Ouais, c'est un peu n'importe quoi, mais. T'auras quand même droit aux cacahuètes. Bon allez, c'est parti pour le petit live détente du vendredi. On poursuit notre tour du monde, notre descente vers Ushuaia. On est au Brésil et aujourd'hui on fait la dernière étape au Brésil. Hop, petite affiche de J1. Avec dernière étape au Brésil, on va arriver juste à la frontière, à Jaguarão. Jaguarão, alors j'ai regardé la trad, ça veut dire jaguar, tout simplement. Jaguar, c'est le léopard de l'Amérique du Sud, ça. C'est comme ça qu'ils l'appellent là-bas. Donc, combinaison avec le drapeau brésilien à droite, bien à droite le Brésil, et à gauche, le drapeau uruguayen, à gauche. Toc toc, Jaguarão. Alors, on va regarder un petit peu le temps qu'il fait dans ces coins-là. On part de Porto Alegre. Vent du 190 sineux. Bonne visibilité. Broken 3500. Tu vas voir que j'ai pas encore réglé le. Le temps correct. Météo. S'aligner. Est-ce que j'ai fait une petite manip? 100% complet. Ouais, c'est ça, des petits cumulus. 247, 7 nœuds. Ouais, c'est pas tout à fait pareil. Hein. 190, 6 nœuds. Appliquer les changements. Donc, normalement, on devrait avoir un. Voilà, un changement météo. On devrait avoir une meilleure visibilité. Voilà, on est à Porto Alegre. Sur un petit terrain, Porto Alegre, la ville, elle est là-bas. On va sur les petits terrains pour éviter les grosses taxes d'atterrissage hein, qui piquent très fort. Alors, salut Sam Linux, salut Fredo, il neige sur Paris, formidable. Vous avez prévu de dormir à votre boulot alors. Encore de la neige dans ton jardin, il dit ouais bah dans le mien ça fond là. Il en reste sur les toits, mais c'est en train de fondre. Poup 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 poup. Alors c'est un peu fort. Petit chouille fort. Hop. Allez, on repart sur la météo. Alors on va descendre. On va descendre. Sur... Rio Grande. Alors c'est pas le Rio Grande des Westerns, hein. C'est le Rio Grande do Sul, du Brésil. Donc la météo dans le coin ici, c'est du 210 pour 6 nœuds, bonne visibilité, Broken 4000, 24 degrés, QNH 1013. Ouais, ça va. Et la frontière est ici. Et on va se retrouver, alors Jaguarão c'est en face de Rio Branco, mais la piste n'est pas indiquée. Alors en gratouillant un petit peu, je me suis aperçu qu'en fait j'ai l'impression que la piste n'est plus ouverte au public. Mais le terrain est toujours existant, j'ai regardé sur une vue satellite, il y a toujours le terrain. Donc bah, c'est un terrain privé, on a le droit de se poser dessus, hein. Il suffit d'avoir l'autorisation du propriétaire. Et, Alors ce qu'il y a, c'est qu'on ne le trouve plus sur les cartes. D'ici à ce qu'on le trouve, ça risque peut-être d'être un peu dur. Mais bon, on s'arrête pas à ce genre de défi, nous, hein, vous le savez.
Fredo, je suis en RTT. C'est quoi les RTT? Salut Clampin, bon courage pour le boulot. En Belgique, j'allais dire au Brésil. En Belgique, t'es tranquille avec la neige. Quoique, faut se méfier, hein, peut-être. Donc, voilà. Alors, petit truc. Alors, je prends mon temps parce que le vol va être assez court. Hein. C'est un petit vol de 1h30. On va... Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'ils indiquent pas... Ils indiquent pas la grosse passe de flotte qu'il y a là. Ils l'ont complètement asséché, c'est bizarre. Sky Vector, des fois, il fait des drôles de trucs. Donc, on va quitter Belém Novo, le nouveau Bethléem, au sud de Porto Alegre, et on va traverser une bonne partie du Lagoa dos Patos. Alors c'est pas les pattes, hein. C'est pas le lagon des pattes. A priori, Patos, j'ai regardé, c'est canard. C'est le lagon des canards. Et on va aller rejoindre un petit village qui s'appelle Mostardas. Et Mostardas en portugais, ça veut dire moutarde. Donc le plat là-bas, c'est peut-être le canard à la moutarde. Salut FH. RBL. Fox Hotel Romeo Bravo Lima. Donc on va traverser ce lagon pour aller à Mostardas. On suivra ici la baie pour arriver à Rio Grande. Alors c'est un tout petit platin, le Rio Grande brésilien. C'est au sud de Pelotas. À Pelotas, j'ai pas regardé ce que ça voulait dire. Et ensuite, eh ben, on filera sur Jaguarão, qu'on essayera de trouver. Donc dans X-Plane, on avait le terrain. Mais le terrain était... comment dire? C'était le terrain standard tout crapouilleux. Je vous l'affiche. Voilà. C'est ça, un terrain standard tout crapouilleux. C'est-à-dire, il y a juste une piste. Pof. Le taxiway le long. Et il n'y a rien d'autre. Alors le truc en plus, c'est que elle était visiblement mal alignée. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé un petit outil, un World Edit pour X-Plane. Et il y a aussi un World Edit. Salut Calypso. Et salut Rima. Donc il y a un World Edit aussi pour X-Lane, et je me suis dit tiens, je vais essayer de faire un petit peu le vrai terrain, parce que ça m'énervait d'avoir ce faux terrain. Derrière c'est la texture standard, hein, y a pas, là c'est pas la photo satellite. Donc j'ai dessiné avec cet outil la vraie piste. Alors du coup c'est pas une piste en bitume en plus, et c'est ça qui m'a un petit peu énervé. C'est une piste, alors à moitié en herbe, à moitié en terre. On peut choisir herbe ou terre, et je me suis dit qu'elle se fondrait plus dans le paysage, elle serait plus dure à trouver si elle était en herbe. Donc on voit la piste, j'ai fait le taxiway, j'ai fait le parking en herbe, et j'ai fait deux petits bâtiments qui sont ici. Alors je vais vous faire une petite démo rapide du truc, parce que c'est marrant. Et on voit que c'est mal aligné avec la réalité, parce que là on a la piste donc réelle, et là on a le fond de la piste précédente, qui est complètement en traviole. Alors si on met la vue satellite avec les photos satellites, on s'aperçoit tout de suite que la piste elle est quand même drôlement mieux alignée. Donc ma piste en herbe, on voit mieux le taxiway, on voit mieux le parking, et les deux petits bâtiments que j'ai rajoutés, plus quelques petits arbres. Et si on fait la comparaison avec la photo satellite, je vais me remettre à peu près dans les mêmes conditions. Pouf, la photo satellite de Google Earth. Alors c'est pour ça que la piste elle est plus noyée à moitié terre, à moitié herbe. Hein, elle est où la cathédrale? Il n'y a pas de cathédrale à Jaguarão. C'est un petit bled, hein, c'est un tout petit bled. Hein. Alors là où je me dis que le terrain est pas fermé complètement, c'est que normalement
Bon, soit il n'y a plus rien du tout, ils ont passé un coup de tracteur et ils ont récupéré ça pour faire des champs. Soit il y a un grand X de chaque côté, clic, clic, pour dire c'est interdit d'atterrir là, dégagez, dégagez, dégagez. Il traîne le Z. Ah ouais, parce que tu voulais voir le décollage. Ouais, mais le décollage, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est l'atterrissage. C'est souvent le problème, l'atterrissage. Ah là là. Donc, je vais vous à une petite démo de... Soyons fous. Petite démo. Alors, il n'y en a pas pour longtemps. Hein. Je vous montre juste le truc, si j'arrive à le retrouver, tiens, en fait. World Edit. Ça vous rappelle des trucs, les Minecraftiens. Alors, il est où mon truc? Jaguaro. C'est pas évident de s'y retrouver dans ce brin. J'ai dû l'appeler BR. Ah, BR-SS-JR Jaguaro. Open. Open Scenery Package. Donc là, plouk. Et il s'est affiché sur l'autre écran. Hop, je le transfère ici. Voilà. Donc, on a une espèce d'éditeur à la... Ça ressemble plus à MC Edit. En vue du dessus. Et on peut lui dessiner... Oh, qui c'est qui a fait ça? Et... Attends, j'arrive à offrir un abonnement à Egil. Un gros bisou à toi. Merci à toi, merci pour le soutien. C'est vraiment très généreux. Salut au passage Pierre Gasse. On édite le vrai monde. Ah, ça serait cool de pouvoir éditer le vrai monde. Hop. Donc, bah, on voit la piste. On voit le taxiway. On voit la position des avions. Les gates. Oh, et Atari Sidive, il en offre un J1. Un double bisou. Merci à toi, Ata. Et merci donc pour Egil et pour J1. Ça deviendrait très vite le bazar si on pouvait éditer le vrai monde, nous dit Rima. Sauf si... Il n'y en avait qu'un seul qui avait le mot de passe pour le logiciel qui fait l'édition. On pourrait l'appeler dur, Marquin, du coup. Et bah pour les petites maisons, pouf, pouf, elles sont là. Alors on peut les orienter, hein, vous avez vu, toc toc, etc. Et on choisit tout ça dans une librairie pour les maisons, les trucs comme ça. On a local, non, librairie, lib, je sais plus où j'ai choisi. Non, G8, c'est les arbres. Enfin, il y a des tas de bâtiments qu'on peut choisir, etc. Construction pour rajouter des maisons, des hangars et des petits trucs comme ça. Et puis là, des lignes d'arbres. Donc on fait, on peut même se mettre à jour très facilement un aérodrome comme ça, quoi. Voilà, c'était la petite démo. Donc après on le génère, il se génère dans les répertoires qui vont bien. Exit. Close without saving. Voilà. Et nous voilà donc comme ça avec une super petite piste. Alors, toc 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 toc. Le plan de vol, bon, je l'ai préparé. On va pas vraiment super le suivre, hein, on va plus faire du cheminement. Sauf à la fin, je pense qu'à la fin, on va cheminer le long du Lagoa Mirim, donc qui veut dire, si on traduit, petit lagon. En espagnol, Laguna Merin, puisque la frontière uruguayenne et brésilienne passe juste en plein milieu, là, ici, du lagon. Et on va essayer de suivre normalement une rivière qui doit être assez importante. Donc il suffira de la remonter, et quand on aura deux grosses villes, Rio Branco en Uruguay et Jaguararo au Brésil, ben, au nord du Patla, on devrait trouver la piste que je viens de modéliser. Voilà, 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 voilà. Bon, bah, tranquille peinard. Hein. Allez, hop. C'est parti. On est parti, on n'est plus là. Est-ce qu'il y a une...
une manche à air dans ce coin, parce que c'est toujours la galère pour trouver... Tu vois, les gars, ils ont modélisé un terrain, là. Donc là, on est à Novo Belém, du côté de Porto Alegre. Ils ont pas mis une manche à air. C'est un scandale. Rajoute une voiture qui fait le kéké sur les taxis, ouais. Il y en a toujours. Ça, c'est un petit peu plus compliqué à faire. Là, les trucs que j'ai fait, rajouter une piste, un taxiway, deux maisons et quelques arbres, ça m'a pris... avec la lecture de la doc, ça m'a pris une heure. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment pas méchant. Alors, Rima, combien de temps de vol prévu ? Une heure et demie. Une heure et demie, on décolle, donc on est arrivé à 17h, 17h15, plus le temps de trouver le terrain, 17h30. C'était à Lille qu'il y avait une voiture qui faisait le kéké. Oh, il y en a eu plusieurs, hein. Je sais plus où c'était. Mais oui, il y en avait une, hein, qui passait. En plus, le gars, il l'avait fait passer à travers une clôture. Hein. C'était trop. Salut Shinji Panda et salut à tous ceux qui arrivent. On va partir. Tu quittes le taf à 17h. Ouais, non, 17h, on sera pas posé. Hein. Ça va être juste. On sera pas loin, mais. Et Gilles dit, si je veux mettre une piste derrière chez moi, du coup, avec l'éditeur de monde, ouais, on peut. Alors, si c'est plat, il y a une option, je crois, par défaut, les pistes sont plates, mais après, on peut faire des pistes recourbées et autres. Tous les altiports, donc Megève, par exemple, et autres, sont modélisés avec la piste en pente. Donc, si tu as un terrain qui est complètement... Tu peux t'amuser à faire une piste sur un terrain complètement... Après, il faut essayer de retrouver ses petits, quoi, quand même, hein. Alors, il faudrait qu'on ait le vent à là où on est. Le problème, c'est que avant, j'utilisais Little Nav Map et je cliquais double clic sur l'aéroport de départ. Ici, j'avais un onglet météo. Maintenant, il y a plein d'onglets et il me disait vent du 222 à 7 nœuds, variable. Du 152 au 252. Ah, carrément. Grosse variabilité. 22 degrés, 1012. Couche. Donc, il nous indique. En plus, maintenant, il donne la meilleure piste. Il dit ah, c'est la piste 26. Avec 7 nœuds de vent de face et un vent traversier de 3 nœuds. Il nous calcule même la composante du vent traversier. C'est sympa. Le vent traversier, c'est le vent qui vient de travers, hein, qui va nous pousser. Et la limite pour décoller dans de bonnes conditions, c'est 15 nœuds. Et attends, j'avais 203. Tu as offert un abonnement à Shinji Panda. 3 bisous. Voilà. C'est comme ça. C'était 3 bisous. Et Pierre nous dit, comme aux USA, la piste sur l'ancienne route avec les arbres. Ah ouais, c'était horrible ça. La piste pas large du tout, avec un vent, il y avait des turbulences, et au moment où t'arrives, pouf, des arbres sur la piste. Oh, vous avez vu un hangar devant. Oh vache. Ouais, mais on devrait réussir à tourner sans le toucher. Ah, c'est bon. On devrait réussir à le tourner sans le toucher. Alors, donc, piste 26 en service. La piste 26, bah, c'est celle qui est là-bas. Donc on décolle, on tourne là, on va là-bas. Je vous montre pas le truc. Alors je vous montrais le hangar, il y avait la carte. Parce que quand on était ici, je disais, oh vache, on est vachement près du hangar. Mais en fait, non, il y a de la marge, on devrait réussir à tourner. Donc la piste 26, c'est celle-là, là-bas. Pop, pop, pop. Donc on va faire un demi-tour, on va venir là et puis hop, non, on va rouler avec le taxi jusque là-bas. Briefing départ. Piste 26 en service, bah, on décolle face à la mer. Face à la mer. On fera un virage à gauche pour aller rejoindre l'embouchure ici. La Barbonne
Ah non, c'est la Reserva Barba Negra. La Barbe Noire. Oh là, on fera gaffe, il y a des petites montagnes à 166 mètres. Moro. Moro, moro, moro. Bon, bah c'est bon. Hop, c'est tout bon, on démarre le bousin. Batterie. Beacon. Pop. Quantité de fuel. Oh, pour un vol d'une heure et demie, c'est largement bon. Hein, c'est ici. Attends, je vous le mets en plein milieu. Tain, tain, on a 260 gallons. Nain, nain, largement bon. Moro, c'est colline? Ah, ok. Ils sont réalistes au moins, pas comme certains qui appellent. Tu veux dire, tu veux parler de quoi, comme la montagne de Reims? Mais bon, quand on vend du pinard à plus de 20 euros la bouteille, une colline, c'est une montagne. Hein. Où j'en suis, où j'en étais? Le fuel, vérifier. Réchauffe carbu. Froid. Pop. Faudra pas oublier de la tirer, la réchauffe carbu, quand on réduira les gaz pour atterrir, puisque le dernier coup, on a failli givrer. Et on avait oublié ce petit truc-là. Hein. Et ça, c'est pas bien. Quand on prépare la machine en vente arrière, on tire la réchauffe carbu avant de casser la vitesse pour pouvoir sortir les volets. Faut y penser, faut y penser, faut y penser, faut y penser. Volet de capot, ouvert. Vous les voyez pas. Ils sont derrière ma tête. Au pont, au pont. Radio master. Pop, pop, pop. On va la couper parce qu'elle est allumée, cette andouille. Contrôle de vol. Dérive, hop, profondeur, hop, aileron, hop, c'est tout bon. Altimètre. On est censé être à combien? On est censé être à 20 pieds. Donc je m'enquiquine pas, j'enlève le volant, ça me gêne. On s'enquiquine pas à regarder la pression, on sait qu'on est à 20 pieds, on met 20 pieds, puis c'est bon. Voilà, 20 pieds. Post-it pour y penser. Ouais, y a plus de place sur l'écran pour les post-it. Bah c'est tout bon, démarrage des moteurs. Allez, moteur droite, le fuel, les gaz, ah, 10%, ouais, à peu près ça. La richesse, plein riche, enfin mixture, plein riche. Hélice, plein petit pas. Les magnétos sur 2. Primeur. Démarrage. Il tourne, c'est bon. On a pression d'huile. Elle est là. Elle est ok, on met l'alternateur. Pouf. On fait pareil pour le droite. Fuel. Mixture. Magnéto, primeur, démarreur. Ça tourne. Pression d'huile, ok. Alternateur, inverseur, avionique, pompe fuel, on les coupe. Volet. Et on va allumer le phare de taxi. Ouh, vache. Oup. Jour, nuit, jour, nuit, jour. On va allumer aussi les feux de navigation, hein. On n'est pas sain. J'utilise quoi comme LEP, comme nous demande Aril. Salut Aril. C'est une Logitech, je sais, je me souviens plus du modèle. Petite, hein. Petite de base. Pas le premier prix, peut-être celui d'après. on en est où? On n'a pas vérifié qu'on était à 1000 tours.
Ouais, bah on est quasiment à 1000 tours. Pop, 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 pop. On va diminuer un petit peu pour se mettre réellement à 1000 tours. Les tours minutes, c'est ici, hein. RPM, Rotation per minute. Avec l'accent, hein. Est-ce qu'on est prêt? On est prêt, on peut rouler. On se met comme ça. On va même se mettre en vue. Ouais, on roule, on tourne même sur place. À mon avis, on va pas le rayer le. C'est justement le modèle. Ah. Je le connais pas par cœur de tête. Ouais, c'est les parkings tendus façon au stade de foot. C'est la texture standard. On aura la même là où on va arriver. Après, c'est tondu, hein, quand sur les terrains entretenus, c'est tondu. Bon, apparemment, là où on va, ça a l'air assez sec. Alors, hop, on va rester bien au milieu. Hop, on en profite pour inspecter la peinture. Je pense que je pense qu'on va faire une sortie de ouais. Allez, sauvage. C'est bien beau de regarder la peinture, hein. Et puis voilà. Salut général. Allez, de toute façon, on est au point d'arrêt. Alors qu'en France, on appelle plus ça un point d'arrêt maintenant, hein. On appelle ça un point d'attente. Ils se sont dit. Si on continue de l'appeler point d'arrêt, les pilotes ils vont rester. Ils vont couper les moteurs, ils vont aller au troquet et puis ils vont jamais repartir. Alors que attente, ça veut bien dire ce que ça veut dire, quoi. Bon, on prépare la machine avant le décollage. Donc on vérifie que mixture et les hélices c'est ok, plein riche, plein petit pas, compensateur décollage, on n'y touche jamais à ce truc-là. À tort. Il est là en fait, hein, le compensateur. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, c'est rigolo ça. Pop, 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 pop. Ils ont même animé ça, les gars. Bon, allez. Donc, le compensateur, c'est ça. Nose. Donc, on peut le. Avec le bouton que j'ai mis sur ma poignée. Normalement, ils disent toujours de le mettre à zéro. Je crois que. Comme on est obligé d'appuyer sur la poignée pour éviter que l'avion il monte, il se satellise, il faut lui en mettre un petit peu vers l'avant. C'est pas mauvais, je crois, hein. On vérifiera du coup. Voler, on a mis un cran, c'est bon, et puis on a le retour qui est ici. On a un cran de voler, c'est impeccable. Le phare de taxi, on va l'éteindre et on va mettre le phare d'atterrissage. On va vous dire d'arrêter de fumer, c'est interdit, c'est mauvais pour la santé, et puis de accrocher vos ceintures. Le Project P, enfin quelqu'un qui fait pas du Pokémon aujourd'hui, puis je crois que je ferai jamais de Pokémon de ma vie, hein. Ouais, Pierre Gasse, il est drôlement bien poli l'avion, hein. Ouais. Alors j'ai mis landing, chauffage pitot, hop, on chauffe. Pompe, on les renclenche et puis ben c'est tout bon, on s'aligne. Alors on va se mettre debout sur le siège, hein, parce que sinon on va rien voir. Alors ça c'est les vieux avions où il y avait le signal arrêté de fumer, puisque maintenant de toute façon dans tous les avions c'est interdit de fumer. Je crois que je dois plus être. Ah ouais, voilà pourquoi il avance plus l'avion. Va falloir lui mettre un coup de gaz.
C'est comme il est dans l'herbe. Ça avait fait n'importe quoi. Hein. Donc pour sortir de l'herbe, ça roule beaucoup moins bien, donc il faut mettre un gros coup de gaz. Le problème, c'est dès qu'on est sur le truc, si on n'anticipe pas la coupée des gaz, l'avion il fait un tout droit. C'est une horreur. Bon, la piste est assez longue, hein. C'est vraiment pas un souci. Hop. Voilà. On est aligné, c'est nickel. On cale le gyro. On est au 270. C'est un truc moderne, les Pokémon. Ouais, moi, je prends que des vieux bazars d'avant 70, même avant 50, hein. On peut dire avant 1950, hein. Je cherche des Pokémon dans les herbes hautes. Oh, ça va, tout est rasé ici, hein. Là, il y a une belle... On voit sur la photo satellite, elle n'est pas représentée dans X-Plane, mais on voit qu'il y a une belle bordée de petits bosquets là, juste en bordure du terrain. C'est cool. Bon, on est prêt, on va prendre un top départ. Il est 14h42 Zulu. Donc on décolle tout droit, on tourne à gauche. On va faire gaffe aux arbres là-bas. Hein. on est tout bon? Bon bah c'est parti. On lâche les freins, on met un peu de gaz. Hop, un petit pied, un petit coup de pied, on met franchement du gaz parce qu'il bouge pas. Allez, c'est parti. Du pied à droite, à droite, à droite, à droite. C'est bon, la roulette s'est soulevée. On relâche un peu les pieds. On met les gaz à fond. On est à combien en vitesse? 80 nœuds. Allez, on décolle. Hop. Vario positif, on rentre dans le train. Ouch. Oh, c'est bon le compensateur, je peux lâcher. Il s'envole pas, donc il faut l'avancer un petit peu. Le temps il est crapouilleux. Je devais pas avoir une bonne visibilité. On est à 300, on est plus à 300 pieds sol. On rentre les volets et là il va falloir recompenser dans l'autre sens parce que dès qu'on rentre les volets, il plonge vers la mer. Hein. Juste à gazou. Hop. On en est où? Est-ce que... Oh, on n'est pas trop mal aligné par rapport à la piste, ça va. Donc, Porto Alegre c'est là-bas. On lui dit au revoir. Nous on va aller à la sortie de l'embouchure. Si, il s'est quand même envolé fort. On va lui réduire un peu les gaz. Et on tourne à gauche. Le pitch, c'est les années 60, trop moderne. Alors, on devait prendre quoi comme cap? Le premier cap, c'était 157. Ah ouais, mais c'était pour aller à Mostardas. Ah bah si, on va faire ça. Alors, il n'y a aucun... On va prendre un cap un peu plus faible. Donc on va prendre du 140 ou un truc comme ça pour arriver plus haut. C'est ce qu'on appelle une erreur systématique. On va réduire les gaz. On va pas le laisser monter parce qu'il y a des nuages. Et... On va mettre le pilote, enfin pas le pilote automatique hein, puisque c'est pas un vrai pilote automatique. Pouf.
l'erreur systématique ou l'histoire de ma vie. Donc là, je recale le gyro, on est à 140. Donc c'est pas mal, c'est bien parti pour l'erreur systématique. On va se diriger vers... Donc là, on a une petite presqu'île avec une île. On va regarder sur la carte où ça pourrait être. Je pense que c'est celle-là. Oh ben, on est pile... Pile. Donc on va se diriger... On va garder le cap 140. Comme ça, on va avoir une route un peu au nord. Et quand on arrivera ici, on essaiera de repérer la route. On suivra la route et on devrait tomber sur la moutarde. Alors, on est en montée. Je veux pas monter, donc je veux descendre. On va descendre... Le nombre de tours minutes à 2250. Petit chou de plus. Allez, on met 32 pouces. Même 30, on n'est pas pressé aujourd'hui. Hop, 30 pouces, c'est bon. Au niveau du cap, on est parti sur un petit 145. Au 140. Donc on a passé notre petite presqu'île avec une petite île. Et on va... Donc là c'est le goulet de sortie de la baie de Porto Alegre. Alors normalement on devrait passer... On devrait passer donc... on va vers le sud, hein, donc sur la partie droite. Et là on est bien parti pour... le centrer d'ailleurs. On est bien parti pour passer sur la partie gauche. Ouais. Notre 140 il est peut-être un peu fort. Hein. Parce que c'est 157, on va plutôt prendre du 150. Ouais, surtout que je suis en train de partir au 130 là. Et surtout que je suis en train de dériver. Allez hop. Altitude 2000 pieds, c'est pas mal, on va tâcher d'y rester. Parce qu'il y a du vent là-haut, du nuage là-haut. On est à 150, on redresse. Encore un chouille. Je pense que j'ai trop redressé. Oui, il faudrait que je trouve un système pour utiliser les carottes. On est en train de repartir au 160. Il est super dur à stabiliser cet avion. Hein. Il n'a pas un réel pilote automatique. Il a juste un conservateur d'attitude, on va dire. Donc l'attitude, c'est attitude avec deux T. Pas altitude. Attitude, c'est pour bloquer les gouvernes, en fait. De redescendre, on va se méfier. On veut rester à 2000. Loin.
Après, il faudrait que je regarde éventuellement comment c'est codé tout ce truc là pour essayer de le faire marcher, parce que c'est un petit peu dommage. Parce que ça, ce système là, c'est un système gyroscopique de conservateur de cap. Donc quelque part, on doit mettre le cap qu'on veut suivre. Il y a le cap du gyro. Et donc le cap, là on est au... Je vais mettre des... On est au 140. Donc il faut lui mettre 140 ici. Ici. Enfin, oui, on est au 140. Et si on veut suivre le 150, par exemple, on lui met 150 là. Avec la molette du haut. Et normalement... Mais j'ai pas vu d'interrupteur pour l'actionner. Alors... normalement il devrait suivre, mais il fait rien en fait. Il n'y a pas d'interrupteur. Si on coche, on a possibilité de faire vue, montrer les zones cliquables des instruments. Ah, remarque, il y a rudder, il y a ça, ah, il y a ça. Et ça, c'est quoi alors? On a aussi vu montrer la description des instruments. Mais il n'y a pas de description. C'est dommage, hein. Il n'y a pas la description. Oh, ça sert à quoi ce truc là? Bon, je vais enlever ces cochonneries là. Ça sert à rien. Ça change quelque chose. Est-ce que je serais pas parti c'est quoi ça? À cette pointe là, ça pourrait être ça. Oula, on est en train de partir beaucoup beaucoup trop au nord là. En plus on est derrière. Oh vache, on a dû bien dériver, on a dû bien tourner avec l'avion. Ah ouais, on est au 130. Bon, du coup l'erreur systématique est bonne. On devrait pas louper Mustardas. Mostardas. Gilles n'est pas rassuré quand je commence à m'intéresser à des boutons. Qui sait. Il sait pas à quoi ça sert. Pareil pour Pierre. Ouais, non, non, maîtrise. Maîtrise, maîtrise. Alors, le problème c'est que j'ai absolument pas actionné. Alors c'est pas la mer ça, hein. On est dans un lagon, donc c'est le lagon des canards. On est quelque part par ici, et c'est le Lagoa dos Patos. Donc ce truc là, par contre, c'est bien le gyro, puisqu'il tourne en même temps que l'autre. Donc la partie basse, c'est un gyro. La partie droite, c'est l'endroit où on veut aller, je pense. On est à combien là? 170? C'est peut-être assez. Je pense qu'on va encore se perdre. J'avais voulu la notice. Bah. Par contre, 180, ça fait beaucoup. On va essayer de rechoper le 157 maintenant qu'on est parti bien au nord. Alors ça, ça fait assez réaliste, hein, où on voit la limite. Il y a même des cas de figure, des cas de météo où on ne voit pas la différence entre la mer et le ciel. Donc, en fait, on a un bleu, on a un dégradé parfait et on ne voit plus où est l'horizon. Donc du coup, on est obligé de voler avec comme si on était en condition IFR, donc bien vérifier avec l'horizon artificiel que qu'on est ok quoi. Il y a des requins au Brésil? Droit devant la tour Eiffel.
plutôt peut-être le Christ rédempteur de Rio de Janeiro. Bien que ça fait quand même un bout, hein. Ça fait un moment qu'on est parti de Rio de Janeiro, mine de rien. Donc 157, on y est presque. On va vérifier qu'il est stable. Est-ce qu'il bouge? Et on voit la côte arriver là. Donc la langue de terre qui est entre le lagon et la mer, l'océan Atlantique. C'est l'océan Atlantique. Océan Atlantique. Il y a des endroits où il n'y a pas de requins. En mer Baltique. Enfin là on sait où on est. Mostardas, c'est à droite. Puisqu'on a pratiqué l'erreur systématique. Et puis on a notre petite pointe qui est là-bas. Ah, au fait, au niveau réglage de tout le Bataclan, on peut couper les pompes, on peut couper le phare de landing. Par contre, on va allumer l'autocollision, et puis c'est tout. Ouais, ça me paraît correct tout ça. Hop. Alors, les paramètres moteur 30 pouces, 2250, la pression d'huile est ok. La pression de fuel, on sent. La température d'huile est ok, la température dans les cylindres est ok, la température dans le carburateur est ok, tout est ok. Tout est ok. Hop. Alors on est parti, évidemment on n'a pas gardé le 150, hein, ça aurait été trop beau. Du coup, ouais, c'est plutôt dans l'autre sens. Toi aussi t'es toqué, Rima. Alors altitude 2000 pieds, ça c'est nickel. On a réussi à la maintenir et on est assez content de nous. Par contre, attends, je vais pas aller par là moi. Je vais aller au 157. Bon, de toute façon, une fois qu'on est sur la lagune. Enfin, non, la lagune, on est dessus. Hein, quoique. Comment ça s'appelle la bande de terre qui est entre un lagon, une lagune et un océan? Ça porte un nom? À part une dune. Mais là, c'est pas une dune. Hein. Vous avez vu la tronche de la dune? C'est épais, hein. Presqu'île. Presqu'île, c'est pas tout à fait ça. Hein. Un banc de sable. Même si ça y ressemble, hein, surtout au niveau de la couleur. Alors ça a l'air d'être épais. Hein. Sur la carte, ça paraît tout fin. T'as une route au milieu, un peu de sable à droite, un petit peu de sable à gauche, de temps en temps une tuyau de flaque. En fait, ça a l'air plus gros que ça. Ah vache. J'aime bien, la route, elle va être facile à trouver. Ça a pas l'air gagné, hein. Salut Booba. Un cordon littoral, ah ouais. Ça, et puis ça fait bien technique, cordon littoral, Pierre. L'achète. Ça fait bien technocratie actuelle. Nous allons développer... les richesses du cordon littoral. Avant, on apprenait ça dans les cours de géographie à l'école. Maintenant, on n'apprend plus rien. Alors, il faudrait qu'on parte par là, en fait. Hein. Au sud. Partons au sud. Et vive Wikipédia, l'instrument de la nouvelle langue. Ah ouais. Est-ce qu'il faut pas oublier que c'est Wikipédia, ça peut être édité par n'importe qui. On va essayer de repérer la route quand même.
bien y avoir une route sur ce truc. Normalement, elle est censée être en plein milieu. Mais bon, vu la largeur, le milieu m'a l'air d'être plutôt là-bas. Donc on va pas trop tourner. C'est bien ce que dit Wikipédia, dit Rima. Cordon littoral, bande de terre composée de matériaux alluvionnaires, déposés par des courants marins en avant des côtes et plus ou moins parallèlement à celle-ci. Ah oui, en avant des côtes. Oui, en avant. Bon, ben on a encore appris un truc. C'est quand même pas ça la route. Ce qui m'embête, c'est que avec OpenStreetMap, j'ai rien. Bon, d'un autre côté, si on regarde OpenStreetMap, à part la route du milieu, il n'y a rien. Donc quand on verra une route modélisée en gris, ça sera la route qu'on doit suivre pour arriver à Mostardas. Des champs à perte de vue, ouais, c'est ça, hein. Bah, OGM ? Si c'est de l'OGM, on dit « Les passagers sont autorisés à faire pipi par la porte. » La porte... bah, qu'on ouvrira, du coup. On va être obligé. D'un autre côté, il y a une petite porte à l'avant. Je sais pas si vous avez vu. Je vous montre l'avant, hein. C'est la porte de l'avant que je montre, hein. Là où c'est écrit « Gros avion AZ ». Eh ben ça, c'est une petite... ça a l'air d'être une porte. C'est pour que le commandant il puisse faire ses besoins. Hop. Ouais, faut voir ce que ça va donner le Flight Simulator de Microsoft. Booba. Sachant que comme je... Qu'est-ce que j'ai fait moi? Comme je suis sous Linux... Il va falloir qu'il soit vraiment très très bon, peu cher, qu'il tourne sur une machine normale, pour que je repasse sous Windows. C'est la porte d'évacuation. Bah ouais, c'est la porte d'évacuation, hein. C'est tout à fait ça. Bon, mais on n'a pas vu notre route, hein. Elle est où? Elle est quand même pas... Ah, il y a des petits nuages, là. Ça serait dommage de louper Mostardas. On était censé y être quand à Mostardas? On est parti à 14h42, on avait 25 minutes de vol en ligne droite. Donc 42 plus 25, ça fait 15h07. Zulu. Donc 16h07, on y est dans 3 minutes. Mais on n'a pas été tout droit nous. Donc on a un petit peu plus de latitude. Voire de longitude. Non mais ça m'embête de pas voir la route. Sérieusement ça m'embête. Ça voudrait dire que j'aurais mal installé mes scènes. Ça a bien changé la région de Dijon. Ouais, un petit peu, ouais. Bon, là-bas c'est l'océan Atlantique, hein. Et je ne vois pas la route. Par contre là il y a... Si on en croit la vue satellite... Oh, il y a une grosse masse de flotte, il y a des petits villages. Ça c'est la route. Là voilà la route. Ouais, elle est Ah ouais. Et puis on voit la petite voiture là. On va poursuivre la petite voiture. Oh, l'avion il bouge. Oui, il y a la turbulence. Bon, ben là, voilà la route. Allez, elle est où? C'est celle-là? Oh vache. Allez, on la suit. Non, c'est pas celle-là. Ah si. Si, si, c'est celle-là. Ouais, bah
J'espère que FlightGear, ils vont se mettre enfin au photoréalisme et puis enfin faire des outils convenables. Après, je pourrais dire, ah, bah t'as qu'à les faire les outils. De toute façon, c'est toujours leur réponse, c'est ça le problème. Parce que en début de live, je sais pas si tu étais là, j'ai montré un petit peu la démo de World Editor qui permet de mettre à jour les aéroports qui d'ailleurs peuvent être utilisés après sous FlightGear. Le problème c'est que dans X-Plane, c'est hyper simple. N'importe qui, même un non-informaticien, peut le faire. Dans X-Plane, si t'as pas Bac plus 22 en informatique, et encore, bah tu peux toujours t'accrocher. Hein. Pour rajouter un aéroport dans FlightGear, j'ai dit dans X-Plane, non, pour rajouter un aéroport dans FlightGear, pop 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 pop. Faut être né avec un processeur dans le berceau. Hein. Puis bouffer de la ligne de commande. C'est dommage. Moi je trouve ça dommage. Alors faudra voir. Ce que moi j'espère avec Flight Simulator en fait, c'est qu'ils mettent la barre assez haut et que la concurrence se dit il faut qu'on fasse peut-être pas du même niveau, parce que avoir un accès à un... Le problème c'est que ça va être un accès en réseau à des terras de données ou des péta, et si t'es pas fibré, par exemple pour nous qui sommes dans les montagnes, là par exemple on est sous la neige, bon tu me diras en ville aussi ils sont sous la neige, mais ça mais on est en province et pour avoir la fibre c'est la croix et la bannière, bon ben on pourra pas jouer quoi. Alors le défaut, tout n'est pas facile sous X-Plane. Hein. Je suis en train de regarder parce que j'aimerais bien modifier un cockpit d'un avion. Et les cockpits 3D, là, ils ont créé leur propre format de fichier 3D. C'est la galère. C'est une idée ou la météo est un peu pourrie là? Alors pour reconnaître Mostardas, il y a un gros Lagoa de Rinsao qui sera sur la droite, et le patelin et le terrain est... Alors c'est un terrain, bah c'est justement les fameux terrains standards qui polycopient partout là, à coup de voxel sniper poc poc, et donc on devrait réussir à le voir, je pense, hein. Il est à gauche de la route. Et nous, on est à gauche de la route. Donc, dès qu'on a un gros Lagoa, dès qu'on a un gros Lagoa à droite, une piste à gauche, on est à Mostardas. Alors, le truc, donc leur propre fichier 3D, il existe un plugin sur Blender pour exporter de Blender à FlightGear. Ah oui, il fait tout crapoteux là. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'un... On peut pas le faire dans l'autre sens. Donc pour étudier comment ça marche, parce qu'il y a très très peu de docs, elle est bizarrement fichue leur doc. On n'a pas un manuel très clair. Par exemple, le World Editor, pour modifier les terrains, on trouve une doc. Les gars qui ont fait les outils, ils ont fait de la doc et tout le bataclan. Alors que là, l'assemblage des fichiers objets avec plein de makers, c'est très compliqué. C'est. Il n'y a pas vraiment de tutoriel. C'est. Bon, c'est le monde du 3D. Hein. Ils aiment bien faire des choses compliquées aussi, les gens qui touchent le 3D. Parce que j'ai récupéré un petit avion, je devrais pas vous en parler, pour faire un petit défi quand on fera une pause dans le tour du monde. Et ce qu'il y a, c'est que le cockpit est tout pourri, il est vraiment pourri, et j'aurais aimé le refaire pour histoire, comme je suis un petit peu touche à tout, hein, vous commencez à me connaître. Alors là, il y a une lagune.
quoi ça correspond? Est-ce que ça pourrait être celle-là? L'Agua da Reserva. Il y a une forme de fer à repasser là. Ouais, ça y ressemble, hein. Ça y ressemble. Il y a une route qui passe le long, qui arrive ici, et là il y a un petit village qui s'appelle Sao Simão. Et on va passer vertical. Sao Simão. Il y a un petit... il y a un autre petit fer à repasser de l'autre côté de la route. Donc voilà, Sao Simão. Ah, par contre, il n'y a pas le... Ah si, il est là. Petit fer à repasser. Bon, bah, c'est bon, on est retrouvé. On n'est plus perdu. Ah, éventuellement, si j'arrive à le faire, J1, ouais. C'est encore plus vieux que le DC3 et... C'est encore plus vieux que le DC3, là. On va encore passer à une guerre au-dessus. Ah, c'est 3D, ouais, c'est 3D, c'est payant en plus. Mais bon, si on peut exporter, importer dans ce format-là, c'est cool. Après, le problème, c'est que si t'as fait un super beau bâtiment style une cathédrale en 3D, eh ben, tu peux rien en faire parce que tu peux pas générer ça sur ta tuile. Alors, à moins qu'ils aient amélioré leur système, mais la dernière fois que j'avais essayé, c'était... J'ai failli passer l'ordinateur par la fenêtre. Et pourtant, vous connaissez mon calme. Alors, hop. Un Vibo. Le jeu du jour, chercher l'avion. Je crois qu'on a déjà parlé lors d'un live. Alors, vu qu'on est à Sao Simão, qu'est-ce que je viens de faire? Si, c'est bon. Sao Simão, c'était ici, donc on a encore quelques kilomètres et on devrait pas tarder à arriver à Moutarde. Je suis un faux calme. Non, non, je suis vrai de vrai, moi. J'existe. Ah, je me pince. J'existe. Je suis un être humain. Je ne suis pas une. Je ne suis pas une machine. Je ne suis pas un robot. Je ne suis pas une entité biologique extraterrestre. On est en train. C'est une idée ou on est en train de légèrement dériver là? Un hydravion, ouais, faudra qu'on teste l'hydravion, ouais. Niveau vitesse, on est à 130 nœuds, toujours 2000 pieds. Les paramètres moteurs sont ok, la pression, les températures, poc poc poc. L'essence, ah oh, bah l'essence on voit pas. Bon bah il n'y a pas de problème, si on voit rien... Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Si on voit rien, c'est qu'il n'y a pas de problème. Ouh, eh, on a déjà bien descendu là, c'est quoi cette consommation? On est à 110 gallons, on était parti à combien? 130? Bon, ça fait déjà une demi-heure qu'on vole, remarque. Hein. Bon, le cordon littoral, il a une belle gueule de cordon. Hein. Oh oh! L'océan Atlantique? Le lagon des canards? Et nous allons chercher la moutarde. On l'a peut-être passé, remarque, hein, à force de blablater. Blablate. Je pense que la petite tache va correspondre à moutarde. On doit avoir le Lagoa qui est par ici. Et JD34, bonjour à tous et bon vol. Merci à toi, 6e mois d'abonnement. Un gros bisou
Et merci pour le soutien. Et du coup, carotte d'or. Gros bec. Ouais, donc là, voilà moutarde. Hein, là, on devait avoir à droite un petit étang. On le devine là, bah, avec le temps crapaud qu'on a. On devait avoir à gauche de la route, qui est ici, une ville. Elle est là. Et donc, à gauche de la ville, on devait avoir une piste. Elle est là. Et comme on voit pour quasiment toutes les pistes, les pistes génériques, elles sont souvent mal placées. Très souvent. Pas toujours, mais avec les vues satellites, ça splatch. On le voit tout de suite. Alors peut-être que les vues satellites sont peut-être pas hyper précises, quoi. Essayer de se faire une petite verticale et on va voir tout de suite la différence entre la piste satellite et la piste générique. Donc la vue satellite, le seuil de piste est ici. Et dans X-Plane, ils ont été mettre le seuil de piste là-bas. Là au moins l'orientation est bonne, hein, on va dire. L'orientation est bonne, mais on finit dans la ville, quoi. Et presque au même niveau. Il y a juste un tout petit décalage. Elle est plus large dans la réalité. Mais surtout, elle est décalée de 500 mètres, quoi. Ce qui fait que tu finis dans la ville. Et donc, avec les outils qu'on a, eh ben, c'est assez facile de... Donc, Mostardas, on prend un top, 16h18, donc 15h18 Zulu. Donc, un peu à la bourre, mais on était parti en erreur systématique au nord. Un petit peu trop systématique. Donc prochain point dans 38 minutes. Donc 18 plus 38, c'est toujours compliqué à calculer. Donc la petite astuce, c'est on rajoute 40. Et 38, c'est 40 moins 2. Donc on rajoute 40, on enlèvera 2. Donc 15h18 plus 40, 15h58. Donc ça fait 15h56. Et là vous allez me dire, mais c'est hyper basique ce que tu dis là. Bah ouais, mais je crois qu'on l'apprend plus à l'école. Alors la route, bah elle est là la route. Est-ce qu'on continue de suivre la route? Salut Gandalf. Perso, j'ai jamais réussi à comprendre le fonctionnement de tous ces boutons. C'est une question d'habitude. Il faut pas démarrer par le DC3. Faut pas démarrer par un bimoteur, faut démarrer avec le petit le Cessna 172. Il est d'ailleurs présent dans quasiment tous les simulateurs de vol, que ce soit X-Plane, Flight Gear ou Flight Simulator X ou Prépare 3D, je sais pas. Mais il doit l'être. Je vois pas pourquoi il y serait pas. Et il sera probablement dans le prochain Flight Simulator, même si comme c'est une équipe française qui fait le truc, ils ont mis un DR400. DR400, cocorico. Bon, on va regarder la carte de Mostardas. Bah, on suit un peu la route, hein, donc c'est la RSC 101. Et puis on suit la route jusqu'à Rio Grande. Bon, bah, ça va être tranquille. Moi, j'aime un plan qui se déroule sans zéro. Alors le truc, c'est qu'on n'est pas, à 130 nœuds. On n'est pas à 140 nœuds. Alors, j'ai fait mes calculs à 140 nœuds. On est à 132 nœuds dans la masse d'air. Comme on ne sait pas d'où vient le vent. A priori, comme on a décollé, le vent là, dans le nez. On va recaler le gyro. Tac. Notre route, elle est là. On continue de tournicoter doucettement. Oh, de la turbulence. Oh, pas cool. Le C-172, c'est l'avion le plus produit au monde.
Ouais, peut-être. Il y a des chances, ouais. Ou alors tu fais comme Z, tu testes en vol. Bah ouais, c'est ça. En fait, des boutons, t'en as pas. Des boutons qui servent dans le simulateur, hein, parce que dans la réalité, c'est autre chose. Des boutons qui servent à quelque chose. Si on enlève les moyens de radio-nav où il y a des boutons partout, les moyens de radio-navigation. Bon, bah pour le démarrer, il y a les pompes. Mais les pompes, je suis sûr qu'on pourrait le démarrer sans pompe. Mais il y a surtout le démarreur. Tac, 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 tac. Les magnétos. Tac, tac, tac. La batterie. Tac, tac, tac. Après celui-là, ça va, hein, c'est pas un Boeing 737. Ah, je pourrais vous libérer, en fait. Pour que vous puissiez vous balader à bande de grands fous dans l'avion. Bon, après, c'est rustique, hein. Hop. T'arrives jamais à citer Pierre, le pseudo en entier, les messages passent pas. Ah. J'ai pas de mess... Ah oui, exact. Autorisé, attends, je vais l'autoriser. Donc maintenant, j'ai rajouté le terme. Donc son nom, tu devrais pouvoir le citer maintenant. Il était mis dans les termes qu'on n'a pas le droit de dire. Ça doit être un gros mot, Pierre Gastier le roi. Celui qu'on pose sur les fonds, sur les ronds-points, ouais, ouais, c'est ça. Alors, j'ai l'impression qu'on a perdu la route. Ah non, on l'a pas perdu, elle est là. Bon, de toute façon, faut suivre la lagune, hein, le cordon littoral. On va tourner un poil à droite. Ça marche pour toi ? Ouais, c'est vrai que t'arrives à le faire. Oui, mais maintenant, maintenant j'ai autorisé le nom. Donc, est-ce que ça marchait avant ? Pierre, c'est le personnage du film, je ne sais rien, mais je dirais tout. Pierre Richard. C'était pas plutôt... C'est pas parce qu'on a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule, le film. Un peu nanar, le film. Si c'est le film auquel je pense, c'est un... Ouais. Un chouï nanar. Bon, Rio Grande 2, on peut pas le louper. Donc là, on suit le cordon littoral, le littoral. On va admirer un peu le paysage, même si sur quelle touche j'ai appuyé là. Ça, avec ces jeux là, avec ces simulateurs là, faut faire gaffe, parce que comme on peut associer des touches à tout et n'importe quoi, et ben on a vite fait de faire une bêtise, quoi. Couper un moteur, couper les deux moteurs, c'est sympa, hein, comme petit du coup le cordon littoral. C'est ça, là, les dunes. Parce que là, il y a des pré-lagons. Et là, de l'autre côté, oups, il y a le vrai lagon. Là, c'est compliqué, hein. Ouais, qui coupe. Il y a des gars qui coupent les gaz sans le faire exprès. C'est fou, ça. C'est complètement fou, hein. Z est prévoyant, il dit que c'est une navigation erreur systématique. Un live sans se perdre, c'est rare. Bah attends, on l'a pas. Si c'est crapouilleux comme ça, le terrain d'arrivée, il risque d'être chaud à trouver. Hein. Alors, on a quand même un moyen de radio-nav. Et je l'ai noté, hein, en secours. Il y a le Vord Mello. Alors, il est à 44 nautiques. Ce qu'il faut être sûr, c'est il faut le capter, quoi. Donc si on le capte, on se met sur la bonne radiale et on devrait trouver notre terrain. Si c'est un VOR DME en plus, et il est DME. Alors pour savoir si un VOR est DME ou pas, c'est-à-dire s'il indique la distance à laquelle on est de la balise ou pas, c'est s'il y a le petit hexagone autour. Un VOR simple, il a juste le rond. Attends, il n'est pas DME. C'est juste un VOR. Bon, la portée de 130 nautiques, c'est une bonne chose. C'est un carré. Il faut qu'il y ait un carré.
Attends, on va essayer d'en chercher un autre. À Porto Alegre, il y en avait plein. Ah, c'est ça, voilà. Si l'hexagone est dans un carré, c'est un VOR DME. Voilà, VOR DME. Et s'il n'y a pas de carré, c'est que c'est un VOR tout simple. Il n'y a pas, de distance. Bon, ben l'autre, c'est un tout simple. Ça va, ça, du coup, c'est plus compliqué, quoi. Bon, où on en est? On continue d'admirer le spectacle. Donc, photo satellite, hein, c'est celle de Google. Elles sont pas trop mal dans la région, on n'a pas trop de nuages, pas trop d'artefacts. Et malheureusement, mais ça c'est pareil chez Bing, hein, on a des couleurs différentes, parce que c'est pas des séries qui ont été prises en même temps, et surtout ils ne font pas une correction, bah, c'est du gratuit, hein, donc faut pas se plaindre, mais ils ne font pas une correction absolue des couleurs. J'ai toujours réussi à arriver. On a toujours réussi à se poser. Parce que arriver à la destination qu'on avait prévue, il y a eu des fois où on n'a pas pu. Hein. Il y a eu un petit givrage. Alors c'était pas un givrage carbu, mais un givrage des entrées d'air du beach en Islande. Qui était avec une arrivée assez chaude là pour le coup. Puis il y a eu des mauvaises météos. Bah, la petite piste aux États-Unis, hein, où on est tombé dans un orage, on a fait demi-tour. Et on a été pété une hélice sur une liste, sur une piste. Qu'est-ce qu'on a eu fait d'autre? Il y a eu quelques cas comme ça où on est obligé de se dérouter parce que la météo était vraiment, vraiment pas possible, quoi. Alors là, c'est en train de se resserrer. Là, on va arriver sur un vrai cordon littoral. L'océan Atlantique, le lagon des Canards. La moutarde dans le dos, elle ne nous montre pas au nez. Sedan, on s'est posé. Il a fallu que je m'y reprenne à 3 fois, je crois. Ah oui, c'était pas du fait que je sois perdu. Ah, du fait que je sois perdu, on s'est toujours retrouvé. On s'est perdu, mais on s'est toujours. On s'est perdu quelques fois. Bah, comme la semaine. la semaine dernière, hein. Joli loupé. J'ai pas eu le temps de regarder, d'analyser pourquoi je m'étais trompé en fait. Ce qui est pas bon parce que du coup ça pourrait revenir. Je pense que je me suis gouré les routes magnétiques et les routes terrestres. Comment on pourrait parler simplement de la déclinaison? Il est où le terrain? Ah, je l'ai viré. Attends. Aérodrome. Ah ouais, je l'ai carrément viré. Déclinaison magnétique, vous avez ici. Au Brésil, dans le coin où on est, il y a 11 degrés de déclinaison magnétique. La déclinaison, c'est la différence d'angle qu'il y a entre le pôle nord géographique et le pôle nord magnétique. Le pôle nord magnétique n'est pas au même endroit que le pôle nord géographique. Il est décalé un petit peu. Et donc, selon où on se trouve... Selon où on se trouve sur la Terre, la boussole indique le pôle nord magnétique, ou le pôle sud, mais c'est la même chose, il y a le même décalage, et donc pas le pôle nord géographique. Donc il faut faire normalement une correction, sauf si on parle tout le temps en magnétique. Le problème, c'est que si on mélange le magnétique et le géographique, bah pouf, on se perd. Et je pense que c'est une histoire comme ça. Zurich, je m'en souviens plus. Ah ouais, c'était tout crapoteux. Ah oui, on était parti en montagne avec un temps... Ah oui, on avait pris des risques. C'était rigolo.
Ouais, faire attention à ce qu'on est. Bon, là, c'est écrit, ça sera pas sur... Mais c'est YouTube qui est en train de mettre le bazar. J'ai rien compris avec leur histoire de vidéo pour enfants. Apparemment, ce qu'ils appellent un enfant, c'est un tout petit enfant. Enfin, c'est jusqu'à 13 ans. Mais derrière, on sait pas ce que... C'est pas vraiment clair, une vidéo pour enfants. Ça paraît... Dans leur définition, ça paraît vraiment un truc niaiseux, quoi. Enfin, comme ils le définissent, t'as l'impression de t'adresser à des tout petits. Mais 13 ans... Enfin, entre des gamins de 5 ans et des gamins de 13 ans, il y a une grosse différence, quoi. Mais aux États-Unis, jusqu'à 13 ans, tu dois être... Ça doit être les Américains, ça. Donc c'est apparemment le procureur de New York qui a pondu une loi qui oblige YouTube à ce que tous les créateurs indiquent dans leurs vidéos si c'est un truc pour enfants ou un truc pour adultes. Enfin, ou pas pour adultes. Pour enfants ou pas pour enfants. Et derrière, on sait absolument pas quelles conséquences ça peut avoir, ce genre de truc, quoi. Parce que eux, ils disent que, attention, avec les publicités, tout ça, patati patata. Donc là, ça se réécarte. On va regarder sur la carte. Pop. Ah, ben là où ça se réécarte, ça doit être cette chose. Cette bosse. Donc nous, on va rester... Ben, ça serait bien qu'on récupère la route, en fait. Mais la route, elle doit pas être très très loin. Hein. Je pense qu'elle est là. Parce que la route, elle va être dans un peu dans le... Ouais, bah... On est bien, là. On va mettre un petit chouï à droite. Bah... Pff. Non, c'est pas, ça pose pas de problème, Rima, mais bon, nous, moi, je fais attention parce que je souhaite garder aux chattes et aux... une manière de parler normalement. Quoi qu'il y a des gens qui utilisent ce mot-là en parlant normalement, mais moi, c'est pas le cas, donc... j'impose un petit peu ma façon de parler. Et je vous invite chez moi, donc ça, c'est un petit peu normal. Et mais derrière, alors c'est pas, donc je ne m'auto-censure pas spécialement, je suis toujours un petit peu comme ça. Mais c'est vrai que du coup, en réfléchissant, avec ce qu'ils sont en train de nous pondre là, ça devient compliqué, quoi. Parce qu'on sait très bien où ça va, où ils veulent en venir. C'est pas ces mots-là qui les embêtent. C'est d'autres discussions qu'on pourrait avoir sur ce qui se passe dans la vraie vie. Et pas dans les simulateurs, c'est ça qui les... c'est là-dessus qu'ils veulent avoir le contrôle. Et rien que de dire ça, par exemple, pour dire ah ben là vous êtes dans des vidéos pour hyper adultes, nous allons vous censurer. Peggy 60. C'est une idée ou on a perdu la route? Non, elle est là. Elle est là-bas la route. Qu'avec élégance ces choses-là sont dites, Pierre. Oh ben la route est là. Donc, là on va voir la grosse bobosse. Et donc derrière, je pense qu'on doit arriver sur Rio Grande. On avait dit qu'on arrivait à quelle heure? 15h56. Zulu. Donc une heure de décalage. Ça fait, ce qui est bizarre, c'est que ça fait 21 minutes. Je me serais trompé dans le calcul. Ça serait pas étonnant, ça serait pas la première fois. 18 plus 38. Donc j'avais fait 18 plus 40. Ça fait bien 58. Moins 2, 56. Pierre nous dit en aviation ce n'est pas un check toutes les 10 minutes. Qu'est-ce que tu appelles check? Le contrôle des paramètres moteurs, ce genre de choses.
le Giro et tout ça. 10 minutes, ça me paraît beaucoup, mais faut le faire régulièrement en fait. Moi, je n'ai jamais utilisé de chronomètre. C'est juste en fait quand tu commences à ton... quand tu as rien à faire. Comme tu disais toujours, quand t'as rien à faire, c'est que t'es en train de faire une bêtise, il faut que tu fasses quelque chose. Donc du coup, tu contrôles toute ta machine. 2100 pieds, la vitesse est bonne. On est stable. Le gyro, je viens de le régler. Les paramètres moteurs sont OK. Les températures et les pressions, c'est OK. Bien un chèque toutes les 10 minutes, sauf s'il est en bois. Alors, la route elle est là. Là il y a une grosse rivière. On devrait la voir sur la carte cette rivière là. Vous savez quoi, je suis en train de me dire que cette bosse là c'est pas ça. Mais ça serait... Ah, c'est ça. C'est cette bosse là. C'est pour ça que le coup des 20 minutes ça m'étonnait, parce qu'on était proche de Rio Grande. Et derrière il y a cette entrée maritime là. Et c'est ça. C'est ça qui est représenté sur OpenStreetMap. Ce qu'il y a, c'est qu'ils n'ont pas représenté la suite. OpenStreetMap, hein, c'est un projet libre de cartographie, c'est censé remplacer Google Maps. Enfin, remplacer. C'est un concurrent à Google Maps. Et ça fait la même chose, mais c'est libre. C'est des données libres, c'est des utilisateurs, un peu comme Wikipédia. C'est le Wikipédia de la cartographie. Et donc, et ben selon les endroits, il y a des gens qui viennent pas mettre à jour les routes, les rivières et tout ça, quoi. Et X-Plane, mais FlightGear aussi, utilise les routes, la définition des forêts, des villes et autres de OpenStreetMap pour générer les routes avec les animations. Donc comme il y a des routes, il te génère un camion. Donc ça, c'est des données OpenStreetMap. Sur les villes, comme dans OpenStreetMap, on définit des zones urbaines. Eux, dans la zone urbaine, ils vont générer des petites maisons. Pop, 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 avec l'autogène. Pareil pour les forêts, les arbres dans les zones de forêt. On va partir. C'était pour que... Je check la peinture. Pas qu'elle s'abîme. Donc la route, elle est là. Puis j'aime bien la vue extérieure. Parce que comme c'est crapoteux, à l'intérieur, on voit pas grand-chose. J'aime bien me mettre en vue extérieure et puis profiter un petit peu. Bon, ici c'est moins terrible. Hein. En plus, on a les petits artefacts de photos satellites. Donc il faut qu'on se place comme ça. Mais là, du coup, la vue est. Tac, tac, tac. On retrouve les champs. C'est un stream français, banque machin. Et comme je comprends rien de ce que tu dis, on va se préparer à je pense qu'il met un message puis qu'il part, sinon il va se faire plouc. Il dit bonjour, j'ai trouvé ta chaîne sur Twitch. Il vient de faire de la pub en fait. Ich spreche nicht Deutsch. Donc là ça se resserre un peu, mais c'est normal. Hein, resserrage, resserrage, resserrage. Ça va se réagrandir d'un coup. Ploup. Et on sera à Rio Grande.
Rio Grande plutôt, hein, je pense qu'il faut dire. Donc on va reprendre. Je pense que c'est un bot, ouais. Pierre revient dans 20 minutes, s'il voit le Chris Redempteur, c'est que des C3 volent vraiment vite. Ouais, ouais, on s'est posé, puis on prend le F4. Et on met plein pot. Ce qu'il y a, c'est que le plein pot, il faut vraiment être pas très loin, parce que ça va vite, mais ça dure pas longtemps. On va reprendre la route, qui est là, hein. Ouais, c'est un bot. Et il reprend les éléments, la catégorie de du live, le nom, la chaîne. Pff. Le gars, il s'est fatigué à développer ça, quoique on doit en trouver des tout faits. Tu perds ton temps, hein. Bon, moi, ça me fait une vue de plus. Ouais. Vous êtes trois à me regarder et le reste c'est des bots. Il y en a de plus en plus. Ah bah c'est pas étonnant. C'est comme les téléphones, les coups de téléphone. À une époque ça s'était calmé, mais ça, sur le fixe, on répond même plus au fixe maintenant. Les gens nous appellent sur le portable ou ouais, parce que le fixe on pourrait couper, ça sert plus à rien. On n'est plus appelé que par des robots. Des robots qui te raccrochent au nez parce que l'humain il est occupé, il peut pas te prendre. Clac. Il te rappellera dans un quart d'heure, il te réenquiquinera dans un quart d'heure. Et puis c'est n'importe quoi. Balance ton bot. Salut Marcard. Ouais, tout à fait, balance ton bot. Et donc avant, ils essayaient de te passer quelqu'un, mais maintenant il n'y a même plus d'opérateur. C'est-à-dire le robot il débite un message, et puis c'est limite à toi qu'il faut que tu prennes rendez-vous. Enfin, c'est toi qui dois faire le boulot, quoi. Ils veulent même plus payer la personne derrière, c'est plus qu'un ordinateur. Le gars qui était au Sénégal pour répondre en disant bonjour, je m'appelle Marie Dougou, et ben ils veulent même plus payer ça. Alors, je suis bien conscient qu'en disant ça, je vais plus rentrer dans les critères de la chaîne pour enfants. Même si j'ai dit aucun gros mot. Mais bon, crache pas dans la soupe. Poup poup. Eh, salut Rana Templan. Bon, ben, après avoir survolé Rio Grande, alors on n'est pas au Texas, hein. Quoique, je sais pas si Rio Grande est au Texas. Enfin, le Rio Grande qui est connu, quoi, celui du film. C'est Rio Grande ou Rio Bravo? Il y a plein de Rio dans les westerns. Là, c'est Rio Grande do Sul. Quoique, c'est Rio Grande tout court, hein. C'est pas Rio Grande do Sul. C'est la ville, une des villes les plus importantes au sud du Brésil. Alors, importante, c'est petit, hein. Mais bon, on est dans le sud du Brésil, hein. Rima, t'as des appels qui te disent ton correspondant est en ligne, veuillez patienter, temps d'attente estimé 8 minutes. Ils sont cool, les gars. D'accord, tu peux faire pour bloquer le numéro. C'est ton téléphone qui fait que t'as cette fonction-là pour pas qu'il sonne, peut-être. Bon, on suit toujours notre route. Et ça fait un peu plus bocage normand, là, hein. Avec les petites haies et tout, non, vous trouvez pas? J'ai encore d'appuyer sur une touche, je sais pas ce qu'elle va faire. Ouh! C'est les nuages. Ouh! Ouh! On est dans les nuages. Il faut que je vérifie ce qu'elle fait cette touche. Alors, hop. Clavier. Chercher touche. Ça, c'est pratique, hein. Aucune commande trouvée. Ouf. Pour les crédits, tu réponds que t'es interdit bancaire. Ouais. Et quand les gars veulent te vendre une cuisine ou autre, tu dis que t'es locataire. Ou alors.
où tu dis que t'es retraité. J'ai 90 ans, je vais en parler à ma fille. Clac. Oh ben ils m'ont raccroché au nez. Hop. Alors, ah, il y a une petite forme un peu caractéristique avec une pointe comme ça. Ça, on devrait la trouver facilement, je pense. Ah ben c'est celle-là. Donc on est à Estreto. Normalement, donc ça c'est Estreto, voilà. Ou Estretar. Vous avez vu les formes que ça donne là? C'est la flotte qui a fait ça. On a toujours le premier cordon et le deuxième cordon. Donc ça c'est le cordon littoral à gauche et là c'est le cordon ombilical. H46. Il va falloir faire gaffe. Ah ouais, avec le. Oui, mais il est beaucoup plus tôt. Quand on a décollé, il était 11h. Donc on a 2 heures de décalage. 16h, là, il est 14h47. On devrait pas arriver avant la. On devrait arriver avant la nuit. Parce qu'il n'y a aucun éclairage sur le terrain où on arrive. Hein. C'est un terrain qui est fermé à la circulation, hein. Qui est interdit au public. Fermé au public. C'est un terrain privé. Donc, hop, j'ai téléphoné au propriétaire pour avoir l'autorisation. Il dit, un DC3 chez moi, cool. C'est un terrain en herbe. Alors, dans la vraie vie, il est mi-herbe, mi-raisin. Non, mi-terre. Moi, je l'ai fait en herbe. Pour qu'on le voie moins. Pour qu'il soit plus dur à trouver. Histoire qu'on galère bien pour le trouver. Hein. C'est le printemps dans l'hémisphère sud? Ouais. Ouais, tout est inversé. Donc là, c'est la grosse bosse. Hein. Au passage, la route, maintenant, elle s'appelle BR-101. Brasil. Unité 0. Unité. Donc la grosse bosse ici. Et à la fin de la grosse bosse, la route, elle s'arrête. Il faut qu'ils prennent le... Oh, Veneza. São José do Norte. Oh, il y a Brasilia. Original. Et il doit y avoir un São José do Sul. Peut-être. Non? Pas de... Ah, je suis un peu déçu. On voit qu'on est au Brésil quand tu vois Frederico Ernesto Buchholz. Buchholz. C'est l'heure du petit goûter. Ouais, bah j'attends de passer au Rio Grande, puis je ferai ma micro-pause après. Je voudrais pas le louper, on n'est plus très très loin. On avait dit 56, donc dans 6-7 minutes. Là, on est en train d'attaquer la bosse. On va peut-être essayer de suivre la route. Continuer de suivre la route, c'est tout droit, comme ça on tombera bien à São José. Rosé. Comment on dit le J en portugais? C'est José ou Rosé? Parce que le J en espagnol c'est Ro, mais est-ce que c'est pareil? Tu sais comment font les avions pour voler droit la nuit? C'est une bêtise qui va nous dire Anna Templan. Ils mettent un phare sur l'aile droite et un sur l'aile gauche, et tu voles droit entre les faisceaux. J, c'est comme jeu. Comme gueux. Parce que J-E, c'est G-E, c'est pas super clair en fait. Comme c'est comme en français. Ah, ok. Donc, São José do Norte. Donc, notre route, elle est là. Donc, je pense que.
Ouais, voilà la fin de la bosse, hein, ça va vite. Sao José, ça va être quelque part par là. On va mettre un petit coup de virage. Pop, pop, pop. Le portugais c'est comme le français avec quelques lettres en moins. Puis beaucoup de che, hein. Il y a beaucoup de lettres de syllabes, comment on pourrait dire, chuintantes un peu, hein. J'ai l'impression à entendre quand j'entends du portugais et... J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de consonnes qui se... beaucoup de syllabes qui se... qui sont en che. Eh ben, à partir de la semaine prochaine, il va falloir se remettre à l'espagnol, puisque... on volera en Uruguay. On va traverser l'Uruguay la semaine prochaine. Et comme c'est un petit pays, ben, on va le traverser et zou, on sera d'un bond, on passera en Argentine. On serait bien resté plus longtemps en Uruguay parce que c'est un pays qui a l'air sympa, mais surtout à côté des autres pays. Mais comme on veut rester une chaîne pour enfants, on va pas en parler. Bon, Sao José, c'est là-bas, et en face, on a Rio Grande. Rio Grande. Tes enfants sont portugais en attendant, mais tu ne sais pas s'ils connaissent trois mots. Ah, c'est peut-être un petit peu dommage. Les enfants sont picards, ils connaissent trois mots de picard. il va peut-être falloir faire gaffe. La lagune, elle se continue là, hein. Elle est un peu compliquée. Enfin, un peu compliquée. Le bord de mer est là. Nous, on va passer à l'intérieur. Et puis après, on va couper. Mais on va prendre un cap plutôt... en fait, on va faire plutôt ça. Hein, pour reprendre la rivière ici. Donc après Rio Grande, on prendra un cap 224. Donc, Sao José do Norte. C'est assez grand, dis donc. Hein. Et donc Rio Grande, c'est ça. Il va peut-être falloir tourner un poil, non? Quelque chose me dit que. Allez, tu tournes, Todio, Boudio. Rio Grande là. Nous on va passer au sud, parce qu'en plus d'abord la piste est au sud, enfin c'est vers une verticale la piste. Elle doit être par là la piste. Hein, elle est... faut qu'on se traverse tout le... toute la petite... Saco da Mangueira. Saco. Et l'aéroport est là. Il n'y a pas de balise de rien. A priori, l'aéroport, si on regarde la carte, il doit être quelque part là-bas. Tout ça, c'est Rio Grande. C'est plus un rio, c'est une riviera. Et Rio, ça peut être assez grand. Oula. On cale le gyro, par contre chez nous il est en train de faire noir. Donc, ici, il est dévié. On
On est au 260, j'ai recalé le gyro, ouais, c'est bon. On n'a pas goûté. On goûtera après. Donc Rio Grande. Oh, les installations portuaires. Oh, avec des bateaux. Oh, oh. Ça c'est cool, les photos satellites. Parce que t'as des trucs sympatoches quoi. Installation de raffinerie. Oups, attention aux nuages. Et donc le terrain, bah le terrain il est là-bas, on le voit. Hein. On va se faire une belle verticale. On a les installations en vue. Je fasse gaffe de pas mettre la main devant la bouche peut-être pour parler, ce sera mieux. On avait dit combien? 56. Il est 57. Donc malgré notre vitesse, qui n'est pas 140 nœuds, on fait presque du 140 nœuds en moyenne. Donc on doit avoir le vent qui doit être favorable. Hein, quelque chose me dit que... Donc jusque là, ça va. Par contre, y a un truc qui me chagrine. Au niveau cap, je suis au 245. Et Little Nav Map, il indique 217. Je me demande si c'est cap, c'est pas de la... Pourtant c'est M, c'est route magnétique. Parce que la terrestre, c'est 227. S'il m'indique les bons caps Little Nav Map. Parce que là, entre 240 et 220, ça fait une belle différence. Hein. Bon, on est travers terrain. Pouf. Oh. Ça, c'est pas du terrain. Hein. Au moins, c'est pas du terrain générique. Hop, il est 59. Ouais, je vais éclairer. Mais je vais surtout aller prendre le goûter. Ah zut. Rio Grande dans 30 minutes, théoriquement. Donc 16h29 Zulu, donc 17h30. Mais on va faire un petit écart. Oh vache, c'est quoi ça? C'est des champs. Bon, les resquintés. Donc normalement on est censé prendre un cap 235. Et en fait on est au 235. Non, j'ai changé cap 224. Ouais, ça paraît plausible à la limite. Hein. Quoique. Tac, tac, tac. Allez, on va prendre un 224. C'est un peu le brouillard. Salut Mika. En fait, il commence pas à faire sombre. Hein. Il fait. Le soleil s'est couché. Il y a un beau ciel bleu. Je suis en train de partir. Ouais, non, 224, ça va pas être bon. Je vais aller sur la mer. Regardez, on est parallèle à la mer.
là je suis presque au 224. Bon, je suis en train de dériver à droite. Ah, quel brin. Il est dur à régler cet avion. Vivement au Ushuaïa qu'on change d'avion. Il est super le DC-3, mais alors ce réglage de d'aileron là, c'est hyper imprécis. Voilà, je suis stable au 224 et on longe la mer quoi. C'est pas le bon cap. Or, ce que j'ai indiqué ici. La route qui m'a indiqué ici. Ouais, on est en train de partir comme ça. Alors là, il m'a bien mis 224 magnétique. Avec le... AGC, c'est terrestre. Ah, c'est pas ça que je veux. C'est rhumb. Ah, il me dit 225 magnétique. Ça me paraît très très étrange tout ça. Bon, je suis au 225, je suis à 2250 pieds. Les paramètres sont ok. Tout est ok. Je vais faire une pause goûter. Je reviens dans 2 minutes. Je vous laisse l'avion. J'espère qu'on va pas se retrouver au-dessus de la mer. Mais à tous les coups, le système de cap de Little Nav Map, depuis la dernière mise à jour, je suis en version 2.4.4. C'est tout pourri. C'est tout pourri. Allez, à tout de suite.
comme un bon chocolat. Ça, je peux plus parler maintenant. Oh, t'as plus de chocolat, Gilles. Oh, c'est cruel ce que je fais. C'est cruel, mais c'est légal. On doit même pouvoir qualifier la vidéo pour enfant, hein. Alors, J1, l'avion s'est crashé. Vous êtes d'un optimiste, les gars. Bon, on est où? On est toujours le long de la mer. Cap 230. Le sadisme du quotidien, ouais. Apprenons aux enfants ce que c'est que le sadisme. Pas de bras, pas de chocolat. Bon. Donc c'est le... sèche-brun. Comme on dit en Picard. Car, il faudrait que je vérifie, mais... Normalement, en suivant le cap 224, voire même un 230, comme on est là, on devrait s'éloigner plus que ça de la côte. Là, je suis un peu plus de 230 et la côte, je l'ai toujours en vue. Bon, a priori, si on tombe, si on est en parallèle à la côte et qu'on tombe ici, dès qu'on tombe sur cette grosse lagune, on prend un cap plein ouest et on arrive sur cette rive là, on chemine le long de la rivière le temps de trouver notre Rio Jaguarao, la rivière du Jaguar. C'est peut-être là qu'a été tourné le film débile avec Bruel et puis c'est avec Bruel. Ouais, bon week-end Rima. Merci d'être passé. Alors du coup essaye de regarder la rediff pour savoir si on va réussir à trouver l'aérodrome ou pas quoi. C'est pas gagné hein. Eh, Bruel et Renault. C'était plus en Amazonie, je crois, que dans le sud du Brésil. Parce que là, les arbres... Ouh, oh, ben déjà... Ça fait penser à des trucs marécageux, ça, non? Après, il y a des routes, hein. Il y a même une route... une route OpenStreetMap, hein. Bon, je suis normalement, si je vole au 230, là j'ai, au bout de 30 nautiques, je touche cette petite lagune, Lagoa Mirim, petite lagune, petit lagon. Hop, hop, hop. On va calculer en combien de temps, je fais 30 nautiques. 13 minutes. Sachant que j'ai passé Rio Grande à 29. Combien j'ai dit? 13 minutes. Donc ça fait 12. Ah ben, pouf, 12. Oh, c'est quoi ça? J'ai peut-être été mauvaise langue, hein. On va regarder sur la carte, hein. On a un long
un petit lac là en forme de salsifis. Et puis là on a le lagon. Ah, j'ai peut-être été très mauvaise langue, en fait tout est bon. Ah. Non, non, j'ai pas été mauvaise langue. Ouais, c'est ça, et derrière il y a un petit. Il y a une petite crotte, hein. Il y a papa ours, il y a maman ours, il doit y avoir bébé ours dans le coin. Donc là on a maman, papa ours, maman ours, et on, et on est là. Donc on était en fait au sens du truc, au 204. Alors est-ce que c'est le logiciel ou est-ce que c'est l'avion qui est pourri? Quoique non, parce que quand je travaille avec les vores, c'est ok. Il faudra que je vérifie avec le logiciel une route entre une ville et une autre ville avec un autre logiciel de plan de vol. Bon, toujours est-il qu'on sait où on est grâce au lac Salsifis. Donc là, on est là. Bon, ben, Cap Plein Ouest, hein. On est ici, Plein Ouest. Plein Ouest terrestre, on a 11 degrés de latitude. On va plutôt prendre un 280, cap au 280, pour se retrouver sur cette côte là. Et salut la patte cochon, merci pour le suivi, bienvenue sur la chaîne. Allez, cap au 280. On va vérifier. L'essence, c'est ok, il reste 2 fois 80 gallons. Ah bah je suis déjà au 280. Quoi, c'est de la ligne à haute tension, ça? Oh vache! Si on peut être avec le de la cuillère, les gars. Je vais vérifier un truc. Pendant qu'on est en train de traverser le lagon, il se passe rien. Je vais supprimer ce point-là. Donc, un petit coup de supre. Donc entre SJRG et SSJR, il m'indique que le cap est de 235 magnétiques. Je vais utiliser Sky Vector. Ah, il veut pas me donner Sky Vector. Bon. Ah bah c'est bien ma veine, il veut pas. Je voulais faire. Sky Vector permet aussi de faire des plans de vol. Donc en fait je voulais faire le même chemin entre Rio Grande et Jaguarao. Et regarder s'il me donne le même cap. Mais bon, je le ferai hors live. Ou on le tentera tout à l'heure. Après, dès qu'on a retrouvé la côte, on n'a plus rien à fiche des caps, puisque ça sera du cheminement, hein. Ce qu'on va essayer de faire... Donc là, on a fait ça. Donc moi, je croyais être au 220, mais en fait, j'étais au 204.
Ça fait quand même 20 degrés d'écart. Donc là, on est parti à un cap plutôt fort, là. Mais donc, faut se méfier parce que là, c'est tout faux. Et donc, on va faire du cheminement le long du lagon jusqu'à trouver la rivière, la rivière du Jaguar. Et puis, on la remontera jusqu'à trouver notre piste. Et puis après, ben, on fera réviser l'avion, parce que là, l'avion, le logiciel, je sais pas ce qui cloche, mais il y a un truc qui cloche, là. Ça serait étonnant que Little Nav Map, il est pas... Je vais aller vérifier les mises à jour. Vous avez déjà la dernière version. Ça serait étonnant que personne leur aurait dit y a un problème avec votre logiciel. Qu'est-ce que j'ai fait? Il y a plusieurs rivières, dit Gilles. Mais tu vas nous porter la poisse. Bon, il a légèrement dérivé au 290, mais plus on va au nord, mieux c'est. Hein, plus on augmente notre erreur systématique, plus on est sûr d'être bon. C'est-à-dire que quand on arrivera à la côte, il faudra tourner à gauche. Et salut une fille unijambiste. Merci pour le suivi. Et bienvenue sur la chaîne des fous de l'aviation. Il est assez grand, ce 21 nautiques, ça fait un peu moins de 40 km. Ils appellent ça un petit lagon, mais... T'as des petits lagons comme ça par chez toi, pop, 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 pop. C'est plus grand que le lac Léman. Hein. On voit même pas le... On voit même pas la... Ah! On voit la terre. Terre! Terre! Alors par contre, j'aurais mieux aimé arriver avec un angle de... Un angle péremptoire. C'est quoi ce truc là? C'est un phare? C'est un bateau. Oh vache, il y a des... On va essayer de se faire une verticale. Oh, puis là, il y en a un autre de petit. Il est où? Oh, il y a des voiliers et tout, c'est marrant. Ah vache. On voit qu'il fait beau au Brésil. C'est quoi ce truc? Ah mais c'est un... c'est un porte-avions. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Vache, il va nous tirer dessus. Il va croire qu'on est des... Qu'on est des indépendantistes. On est foutu. Bon, après il faut reconnaître sur la côte des signes caractéristiques qui pourraient nous indiquer j'ai l'impression que c'est une côte de brun. Tente un atterrissage sur le porte-avions. Bah ouais, bien sûr. C'est une piste de combien, porte-avions? Moi il me faut au moins 1000 mètres hein. Si j'ai pas 1000 mètres, j'atterris pas. Hé, hey, il bouge le truc en plus. Vache. Oh, il y a un hélico. Ah, c'est trop rigolo. Ouais. Oh, bah, il y a des avions dessus et tout, ouais. Ah, c'est cool. Salut, Lynn. Je t'avais pas vu. Ouais.
Bon, ben, on s'est fait une verticale porte-avions. C'est la première fois que je vois un porte-avions dans X-Plane. Je sais qu'il y en a, hein. Il y a aussi des plateformes pétrolières, des trucs comme ça pour pouvoir se poser en hélico. Là, c'est pour pouvoir se poser avec le F4. D'autres qui seraient équipés d'une perche de trucs. Bon, c'est pas tout ça. Il faut qu'on trouve où on est. Alors. Ah ben, là... Tac, tac. Il y a une... Ouais, non, c'est une forme... Allez, virage à gauche. Toute. T'as une roulette. Ouais, mais il faut la bloquer. Moi, je bloque pas ma roulette. Hein. Je bloque pas ma roulette n'importe où. Ça, c'est un porte-avions impérialiste américain. Oh, ensuite, mon statut de chaîne pour enfants de YouTube, c'est mort. Il faudrait changer de lunettes. Ça fait un moment que t'es là? Comment j'ai fait pour pas te voir? Alors, ça fait comme une petite bosselette à gauche. Où est-ce qu'on aurait une bosselette à gauche? Eh, on est peut-être là. Ou alors on est là. Ou alors on est plus loin. Oh vache, on est perdu. Ouais, je n'avais pas fait gaffe, excuse-moi. Bon, ben on va suivre la côte, on va bien essayer de reconnaître un coin qu'on connaît, quoi. Mais avec le la visibilité un petit peu crapouilleuse qu'on a... Tu l'aurais coulé, Fredo? Un porte-avions américain avec un DC-3. Ça peut toujours se tenter, hein. On sent les films des années 80. Et ils sont pas en train de ressortir une nouvelle version, la version 4 de... Comment ça s'appelle, la bataille dans le Pacifique de Midway, là? Ou c'est le vieux film qui ressort? Parce que moi, j'avais vu la version avec Robert Mitchum. J'avais déjà trouvé ça ennuyant. Ennuyeux. Oula, c'est de la photo satellite pic. Ah, il y a une rivière qui fait scrooch, 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 scrooch. Ça, c'est un... Ça, normalement, on devrait le retrouver. Par contre, on va... virer avant d'aller le chercher. Léger virage. Ah, tu tapes en dessous la ligne de flottaison. Tu sais qu'elle doit être blindée un petit peu, la ligne de flottaison. Hein. Un DC-3, c'est... Ça a l'air gros comme ça, mais... C'est tout mou, quoi. Poup. Alors, une rivière qui fait scrotch. Ah, ben c'est celle-là. Scrotch, scrotch, scrotch. Voilà, une rivière scrotch. Donc on est là. Bon, ben on est plus perdu. Il m'a toujours pas dit bonjour. Je t'ai dit bonjour en début de live. Tout à l'heure, je t'ai montré mon goûter. Je sais bien que t'es là, hein. Il était drôlement bon, le chocolat. Je vais peut-être même refaire une pause pour aller en chercher. Il va falloir que je rouvre une plaquette, par contre. J'ai fini la plaquette précédente. Deux carrés, c'est pas beaucoup, hein. Surtout que c'est des petits carrés, là. C'est du pâtissier. J'ai arrêté le chocolat... chocolat fin. J'en mangeais trop, c'était trop trop gourmand le gaillard. Donc là j'achète du pâtissier, mais parce que je le trouve moins bon.
Mais bon. Ah, puis que de temps en temps, on fait des gâteaux. On est obligé d'en avoir. Bon, je vais pas vous raconter ma vie. Hein. Alors, cette pointe-là... A priori, ça devrait être cette pointe-là. S'il y a une rivière juste avant, la Sanga do Meio, eh ben elle est là. La Sanga do Meio, elle est là. Bon, c'est cette pointe-là. La grosse plaquette avec caramel et noisettes. Eh, c'est pour ça que je mange ça, Gilles, parce que comme je trouve ça trop trop sucré, ça m'écœure au bout de 2 carrés, je trouve ça bon, mais plus de 2 carrés, ça m'écœurerait, donc, et je le sais, donc j'en mange pas plus. C'est une technique de défense de... Bah, pour pas exploser en vol, quoi. Alors, donc là on suit la côte, et dans le creux, on devrait trouver une rivière. Au milieu coule une rivière. Donc on prend la rivière, on sera à 13 nautiques de notre de notre point d'arrivée. Et je vais regarder 13 nautiques, on les parcourt en... Ça doit faire du 6 minutes. Ouais, c'est ça, 6 minutes. Donc on est à 6 minutes de notre point d'arrivée. Donc on prendra un top. Je pense qu'on y arrive là. Donc là, ça c'est le Meio. Donc ça fait un grand demi-cercle. Et au fond du demi-cercle, il y a une rivière, c'est celle-là. Ok, tac. Donc on avait dit 6 minutes. On compte une minute de plus. Donc ça fait... 36. 16h36 Zulu, estimé. Si à 16h36 on l'a pas trouvé, enfin si après 16h36 on l'a pas trouvé, c'est qu'on l'aura, on sera passé devant sans le voir. Donc on va essayer d'atterrir sur la piste que j'ai modélisée hier avec World Edit. Ça me fait trop marrer de dire World Edit. Hein. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le Minecraft, World Edit c'est un mode qui permet de faire de l'édition de monde dans Minecraft. Et il y a un World Edit aussi dans X-Plane pour mettre à jour les aérodromes. Mettre à jour, créer les aérodromes. Bon allez, hop. On tourne. 2500 pieds, on va descendre un peu. On va le réduire un peu. 28 pouces. Quoique non, j'ai pas intérêt à réduire de trop parce que sinon mes calculs vont être faussés. Alors la rivière elle tournicote, hein, donc il faut qu'on prenne un... Donc normalement on devrait prendre le cap 293. Alors, on va pouvoir vérifier si c'est bon ou pas quoi. Hein. Là il m'avait indiqué 293. Je recale le gyro, bah je suis au 293 là. Attends, je suis même au 300. Ouais, donc le 293 ça partirait par là quoi. C'est pas bon. Hein. Je suis plutôt sur un 305. Et il faut que je navigue entre les courbes. On voit pas bien les courbes. Hein. On les voit mieux là. Hop, hop, hop. Donc, à gauche, c'est l'Uruguay. On n'est pas censé le franchir hein, parce que j'ai pas pris le drapeau. Et à droite, c'est le Brésil. Donc, à gauche, ça sera Rio Branco. Donc la rivière de la branche. Je sais pas ce que ça veut dire Branco en espagnol. C'est de l'espagnol, Rio Branco. Et en face c'est Jaguarao. Donc Jaguar. D'où
D'ailleurs, je vais vous la remontrer, hein, pour ceux qui l'auraient pas vu. L'affiche de J1, elle est où? Qui, pour la pin-up de la semaine, nous a fait une combinaison uruguayo-brésilienne. Donc, couleur du Brésil, de l'Uruguay à gauche, et couleur du Brésil à droite. Pas de petits coquins. Alors, là, je suis même plutôt à un cap un peu fort. En temps, je suis à 33. Devant, là, je vois des petites taches. Donc ça, je pense que c'est Jaguaro. Et, alors, au niveau carte. Donc, on va voir Jaguaro, juste là, Rio Branco, qui devrait être à gauche. Et notre terrain, il est au nord de la ville. Il y a un musée des moyens de transport côté uruguayen, on ira visiter. Bah, on a la semaine pour visiter. Hein. Donc je pense que Rio Branco est là. Ah, à moins qu'il soit... Non, mais ça c'est Jaraguao. À tous les coups. Hein. Et Rio Branco doit être là. Combien on est en altitude? Trop haut, trop haut. C'est 60 pieds, 66 pieds la hauteur du terrain. Donc, et comme il n'y a pas de radio, rien, on va se faire une verticale terrain pour. Verticale terrain pour aller vérifier dans quel sens est le vent en allant regarder la manche à air. Parce que j'ai rajouté une manche à air. Ah oui, je voulais pas montrer dans WED la manche à air. Ce n'est pas une chaîne pour enfants, non. Salut Minigus. Ouais, Minigus, j'espère que tu n'es pas un enfant, car ce n'est pas une chaîne pour enfants. Qu'est-ce que je fais? Je vole en avion. Simulateur de vol, c'est un DC-3. Hop. Et nous sommes en train d'arriver sur notre point de destination, la ville la plus au sud du Brésil, le terrain le plus au sud du Brésil, Jaguaro. Donc Rio Branco en Uruguay. Jaguaro au Brésil, et on doit avoir la piste donc qui est la rivière, elle fait ça, la route est là, la piste elle doit être là-bas, et on la voit pas parce qu'elle est en herbe. On se fait une verticale le patelin, ouais, on en a rien à fiche, hein. On s'en moque. 1500 pieds pour la verticale terrain, ça me paraît très bien. Alors la piste on la voit pas, mais a priori elle est quelque part elle est là. Ah, je reconnais la petite maison que j'ai rajoutée. Elle est là, la piste. Alors là, la manche à air. Oh vache, du vent de travers. Ah, quelle horreur. Ah non, c'est pas vrai. Alors, elle est où la manche à air? Ah non, c'est bon. Oh, ça arrête pas de tourner. Donc il faut qu'on atterrisse par ici. Eh ben, on va faire un virage juste à droite pour prendre l'avant arrière. On a combien d'altitude? C'est impeccable. On va couper, on va mettre plein petit pas. On met, on coupe le bazar pour récupérer la main. Et hop. Donc on est censé descendre à 1000 pieds. On est à 1000 pieds, c'est nickel. On descend les gaz. Est-ce que j'ai mis la réchauffe carbu? F10, hop, réchauffe carbu. Oula, on le laisse pas descendre.
On est dans l'arc blanc. On sort le train d'atterrissage. Un cran de volée. Sinon, si ça va pas au niveau vent, un coup de World Edit et tu changes d'orientation. Ah ouais, ça pourrait être cool ça. Où elle est la piste? Attends, c'est... J'aurais dû regarder tout de suite, parce que là... Retourner en ville. La ville, elle est là-bas. Qu'est-ce que j'ai fait? Faire attention à la vitesse, on va remettre un peu de pêche. On est en train de descendre, c'est pas bon. Ouais, c'est sûr qu'avec un rond-point, ça serait mieux. Ça serait plus facile. Attends. On va tricher un peu. La ville, elle est là-bas. On était au nord de la ville. On va être bon pour refaire un tour. Hein. Parce que là... Puis on est trop bas, on descend encore. Faut jamais, dans un tour de piste, faut jamais quitter la piste des yeux. Hein. Elle est là, la piste. Ok. Est-ce qu'on peut encore la récupérer? Ça va pas être forcément évident. Le dernier virage, il va être proche de la piste. Et en plus... Ouais, elle est là. Un cran de volée tout de suite. Oula, on va être trop haut. Ça sent la remise de gaz, ça. Hop. On est où? J'ai mis tous les volets? Ouais. Alors bah, on n'est pas aligné, on remet les gaz. Et on se refait un tour de piste à droite. Pas aller survoler la ville. Comme dans les livres. Pas remettre trop de pêche, ça sert à rien. Normalement, je suis censé rentrer le train, voler. Alors, on a quel cap? Au 270. 6, donc on va faire l'avant arrière en 0,9, en 0,90. Hop. À 500 pieds, on continue à monter, on va monter à 1000 pieds. J'ai dit combien? 0,90.
0,60. Hop, on redresse. On va laisser monter un peu encore. Et normalement la piste, voilà, on est en vent arrière, on est dans le sens inverse de là où on veut atterrir. Hop. On est en dessous les 110 nœuds, hein, c'est indiqué ici, donc on peut sortir le train d'atterrissage, un cran de volée, et on met un petit peu de pêche. On veut pas qu'il monte. La piste est là. On revient en 90. 900 pieds, c'est pas mal. On va s'éloigner un petit peu pour être bien, faire son virage et se retrouver bien dans l'axe. La piste est là-bas. Allez, hop, étape de base. Vitesse, 85 nœuds, c'est bon. On descend légèrement. Donc on était à 0,90, donc étape de base, on est censé se retrouver à 180. Hop. On regarde à peu près où on en est. La piste est là-bas. Hop. Allez, on tourne. Elle est là. Hein. Piste en herbe, hein, donc pas facile à, pas forcément facile à voir. Hop. On est en finale. On sort tous les crans de volée. Voilà, les 4 crans sortis. Attends, de la pelouse en même temps, ouais. Donc aéroport fermé au public, enfin aérodrome, hein. Je vous montrerai des photos satellites tout à l'heure. Donc, normalement la piste devrait être de la même couleur que ce qu'il y a sur les côtés là. Pas le vert, hein, le truc un peu jaune. Et du coup j'étais bien, je me retrouve un peu trop, un peu haut. Bon, la piste fait 1000 mètres, hein. Donc c'est pas... On le laisse descendre. Rotation, hop. Eh, il faut aller atterrir là. Oh, un petit rebond. Oh, un gros rebond. Oh, vache. Atterrissage de brin. Où j'en suis? Oh, bah c'est encore... Il
façon, il n'y a pas de différence entre le champ et la piste. Hein. Pourquoi il n'a pas freiné cette andouille? Heureusement que c'est solide un TC3. Ouais, tout à fait. J'ai l'impression que ça freine beaucoup moins bien sur l'herbe que sur le que sur le bitume. Bon, déjà, on s'est pas retrouvé sur la route. Hein. Je peux vous montrer une photo pour vous montrer que la piste et le champ, c'est la même chose en fait. Hein. Je vous montre ça tout de suite. Où est-ce que j'ai mis? Non, Xplane 11, Output. Photo satellite. Photo satellite du terrain. Et là, vous dites, ouais, bon, c'est qu'un gros champ. Et en fait, non, on voit bien quand même la piste. Alors, elle est verte de ce côté-là. Là où il y a du vert, et bah là elle est plutôt en à moitié terre, à moitié verte. Hein. Bon, on voit qu'une sortie de piste, c'est pas trop grave ici. C'est pas trop grave. Par contre, j'ai dû faire un joli petit rebond. Il a encore trouvé l'excuse du terrain. Bah ouais. Aïe 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 aïe. Ah zut. J'étais haut en plus hein. On pourrait faire les barbelés hein. Avec le World Editor, on peut rajouter des grilles, des barbelés. Après ils n'ont pas. C'est pas des obstacles, hein. Ils sont pas définis comme obstacles, donc on passe à travers. Ouais, là on voit que je suis trop haut, j'ai arrondi trop tôt en fait. Du coup, pouf, un rebond. Un beau rebond. Ouh. Pouf, un deuxième petit rebond. Et pouf, c'est bon. Oh, un micro. Ça fait un atterrissage à deux rebonds. Si, pourtant j'ai mis les freins. Hein. Ouais, mais on était déjà quasiment au bout quoi. Alors ça c'est plus un atterrissage, comment il appelait ça, j'avais un instructeur, feuille d'arbre, feuille morte, c'est un atterrissage feuille morte, donc t'es au-dessus de la piste, mais trop au-dessus de la piste, puis après, fou, à un moment donné l'avion tient plus et pouf, donc c'est pas bon, hein. C'est pas vraiment bon, et ça c'est tout l'art de trouver quand est-ce qu'on doit arrondir, pour pas, si on arrondit trop haut, on est trop haut au-dessus de la piste, et si on arrondit trop tard, ben on a tapé la piste et clac, aïe, ça fait mal. Caramba. Bon ben voilà, petit vol tranquillou, dernière étape au Brésil. La semaine prochaine, on va traverser l'Uruguay et on ira jusqu'en Argentine. On se fera une pause quand même, puisqu'il faut se poser une fois, hein. On avait dit on se pose une fois dans chaque pays, donc on se posera, mais on se posera carrément. Je vais couper le bousin là, il fait du bruit hein. Ça je coupe, ça, je... Et les alternateurs, non, j'aurais pu éviter, on coupe à la fin. Qu'est-ce que je coupe? La radio master, non, hop, pour pas péter tout. Et puis, allez. Voilà, on va s'entendre. Et puis là, on coupe tout, tac, tac, tac. Et hop, voilà. Donc, prochain vol, on va aller se poser à Montevideo, carrément. Hein. Alors peut-être pas à l'aéroport international, hein. Peut-être le petit ici, là, Angel Adami. Les autres sont un peu loin. Hein. Et puis après on redécollera et on ira
faire l'escale à Buenos Aires. Parce que sinon, si on fait un vol de Jaguar Rao à Montevideo, ça fait trop court, hein, ça fait un petit vol d'une heure. Et on est pressé d'aller à Ushuaïa. Hein. Hop. Ouais, j'avais laissé la carte pour le coupage de l'avion. Bah, bon, vous savez comment on coupe un avion maintenant. On joue avec les leviers, pouf pouf pouf. Voilà, voilà. Bon, eh ben, je vais vous laisser vaquer à vos occupations. Une bonne soirée à vous. On se retrouve demain 17h pour du Minecraft. C'est de la survie, c'est sur... Si, si, y a une route. Si, si, on l'a vu la route. On l'a échappé. On est passé à deux doigts de la route. Donc c'est du Minecraft. C'est le Minecraft à travers les siècles. Et on va aller bosser en Chine sur le palais impérial de l'empereur chinois. Notre Kogé, si c'est un palais pour l'empereur chinois, c'est forcément un palais impérial. Mais bon, c'est pas grave. Et alors annonce lundi, il n'y aura pas de live parce que je suis pas là. Je suis en déplacement lundi, je ne serai pas revenu à l'heure du live. Donc il n'y aura pas de live lundi, donc on se retrouvera après, mercredi après-midi, pour du Techtopia. Voilà, voilà. Merci aux modérateurs, merci aux donateurs, des gros bisous à vous. Merci à vous les spectateurs. On se retrouve alors pour du X-Plane, ça sera vendredi prochain, 15h, comme d'habitude. Et puis pour le reste, bah, je l'ai annoncé. Pam, 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 pam. Bisous.